Madame Dio, qui a exercé pendant des années le commerce, oui. La vente de fromages et autres produits laitiers. C'est ça. Oui. À quelle époque avez-vous commencé, en gros? Moi, dans les années 40. Dans les années 40, oui. Donc, aussitôt là, au début de la guerre. Oui. Et pendant la guerre, on n'a pas connu l'interruption, ça a été quand même? Ben si, parce qu'on a évacué. Ah, vous avez évacué. On a évacué en Vendée. On est revenu le 30 juin, pour vous dire. Aussitôt, on était parti 6 semaines. Ah bon, vous êtes revenu, donc le temps de la guerre, vous l'avez passé ici. Ah oui. Ah bon, oui. Je pensais que vous étiez resté toutes les années. Non. Ah, vous êtes revenu aussitôt. Oui. Et donc, vous avez repris aussitôt votre commerce. Ah, tout de suite, non, parce que dans la vallée, il n'y avait pratiquement plus personne. C'est ça. Hein? Oui. Et puis, beaucoup de gens étaient partis. Oui. On a recommencé qu'après, hein. Ah oui, c'est ça. Oui. Oui, et en plus, la fabrication du fromage elle-même... Ah ben, tout le monde était parti, pour ainsi dire. C'est ça. Hein? Oui. Il y avait eu une coupure terrible, quoi. C'est ça. Oui. Et alors, vous avez réussi à tenir le coup quand même, à la vente. Comment on pouvait, enfin, on n'était pas trop fiers. Hein. Oui, donc vous avez repris réellement à la fin de la guerre, alors. Oui, quand les gens ont été rentrés, puis il fallait se réorganiser, vous voyez bien. Bien sûr. Parce que les gens rentraient, mais ils n'avaient plus rien. Oui. Bon. Et quand vous ramassiez les fromages, vous alliez les chercher à la taillette, vous ramassiez uniquement sur la taillette aussi? Beaucoup sur la taillette, oui. Oui, alors vous aviez vos fournisseurs. Mais on avait nos clients, quoi. Vous ramassiez toutes les semaines ou comment ça se passait? Toutes les semaines, oui. Oui. Mm-hmm. Et vous alliez chez qui? À la Chaudière, sur la Taillette, vous voyez, Rouilly. Oui. Sur Renouée, on y allait un peu aussi. Ah oui. C'était essentiellement cette zone-là. Oui. Oui. Alors vous ramassiez tous les fromages? Le beurre, les fromages, les œufs. C'est ça. Oui. Et après, les fromages, vous les ameniez ici. On les affinait. Oui. Mais... Et tout ça se passait dans votre cave ici. Voilà. Et l'affinage durait combien de temps en gros? Ben, environ 3 semaines. Et plus il faisait chaud, plus ça allait vite, quoi. C'est ça. Oui, ça marchait avec la chaleur. Et comment faisiez-vous exactement pour affiner le fromage? On les déposait blancs dans la cave, et puis on les retournait, vous voyez. Oui. On les retournait environ 2 fois par semaine. C'est ça. Et alors, est-ce qu'ils étaient empilés les uns sur les autres, ou séparés? Non, ils étaient quand même. Oui, comme ça. C'est pareil, quoi. Ils ne se touchaient pas pour être affinés. Ah, ils se touchaient quand même. Ils se touchaient un petit peu. On les décollait, vous voyez. C'est ça. Oui. Et il n'y avait pas à les badigeonner de quoi que ce soit. Non, on ne faisait pas ça. Non, parce que ça. Parce que, certains fromages sont lavés et tout ça. C'est ça. On ne faisait pas ça. Non, mais c'était directement affiné comme ça. Affiné comme ça. À quel moment pouviez-vous savoir que le fromage était bon à vendre, par exemple? Ça se voyait bien. Hein. Oui. Il jaunissait, vous voyez. C'est ça. Oui, et sûr que l'été, ça va aller beaucoup plus vite. Exactement. Plus il fait chaud, plus ça va vite. C'est ça. Oui. L'été, l'hiver, c'est plus dur. Oui. Plus long. Alors là, on a affaire à un fromage extrêmement maigre, puisque c'est pour 0% de... Est-ce qu'il rappelle beaucoup le Rocroix? C'est le Munster. Ah oui? Oui. Moi, j'achète toujours du Munster parce que ça rappelle le Rocroix, vous voyez. Ah bon? Ah oui. Oui. Pourtant, il est plus grand, le Munster. Ah oui, il est plus grand, oui. Oui. L'autre était 0% normalement. C'est ça, oui. C'est bizarre parce qu'il y en a qui préfèrent le fromage de Rocroix quand il est crayeux au milieu, vous voyez, un couleur vraiment blanc. Oui, ça dépend des goûts, tout ça. C'est dépend des goûts, alors que moi, je préférais quand on le trouvait gélatineux, un petit peu autour. Oui, bien passé. C'est ça, exactement. Alors, vous n'aviez pas de problème, mettons, s'il passait trop vite avec les mouches ou... Ah, ben ça, il fallait faire attention. C'est ça. Oui. L'été, c'était plus difficile. Oui. Ah oui, forcément. Il fallait faire attention aux mouches. Il fallait faire la guerre aux mouches. Oui. Et, en gros, si ce n'est pas indiscret, quelle quantité pouviez-vous avoir chaque semaine, comme ça? Encore assez bien. Oui. Ah oui, on en a fait des milliers ici. Ah oui? Ah oui. Ah oui, oui. On en a fait beaucoup. Et ça se vendait bien? Ah, ça se vendait bien. Alors vous faisiez le beurre en même temps? Ah oui, mais on ne le faisait pas, on le vendait, quoi. Vous le vendez, c'est le commerce du beurre. C'est ça. C'est ça. Et les œufs, donc c'était ça. Et les œufs, je me souviens quand vous passiez en même temps au froid. Peut-être. Mais avec votre camionnette, vous voyez, c'est devant encore avec la vache. Allez. Pas de problème. Hein. Et alors, votre tournée, pour y revenir,
elle consistait en quoi votre tournée? Quel était l'itinéraire en gros? Vous aviez livré les fromages où à peu près? Ah ben, on travaillait sur Revin. Sur Revin? Sur Revin. Oui. Puis on avait des clients qui venaient de Fumer et de Haye. Ah, qui venaient vous voir oui. Directement ici? Oui. Il y avait le laitier de Fumer qui venait. On appelait Laurent, André Laurent à l'époque. Ah bon? Donc ils venaient vous en chercher, eux c'était plutôt des détaillants qui venaient vous en chercher que des clients particuliers. Ah ben aussi, on faisait les deux. Les deux, oui. C'est ça. Est-ce que Revin vous faisiez du porte-à-porte? Ah oui. Donc c'était uniquement le secteur de Revin. Beaucoup Revin. Beaucoup Revin, c'est ça. Mais on croit les alentours, vous le faisiez aussi. Un petit peu. Un petit peu, oui. C'est ça. Mais le gros du commerce c'était Revin. Oui. Oui, en somme, votre tournée... Vous la faisiez combien de fois par semaine comme ça? Sur Revin? Oui. Deux fois. Deux fois par semaine. Et le reste du temps, vous étiez ici à travailler, les oui. fromages. Et puis il y avait la ferme aussi. Ah oui, la ferme en plus. Oui. C'est vrai, il y avait la ferme. Oui. Vous ne vous souvenez plus grossièrement de ce que pouvait valoir un fromage comme ça au sortir de la guerre, en gros? Le prix? Oui, la prix. Oh là non, je ne me rappelle pas ça. Non. Non. Mais les gens en achetaient beaucoup quand même, ça se vendait bien, les recroyants achetaient beaucoup de fromage. Ça se vendait bien, oui. Oui. Ah, oui. Avant, on en expédiait aussi, du côté de Rethel aussi. Ah bon? Oui. Jusqu'à Rethel. Mais après, on n'a plus fait ça. Non? Non. L'expédition se faisait comment? Ah ben, à l'époque, par le chemin de fer. Ah oui, par le petit train, donc, il servait. Ah, c'est ça, lui, il n'était pas très loin. Oui, non. C'est ça. Oui, mais vous l'avez bien connu, le petit train. Ah ben oui, il passait là derrière, il coupait la pâture. Ah, il coupait derrière. La pâture, ouais. Vous vous en souvenez du petit train? Ah oui. Ah oui. Ah oui, j'allais souvent le voir. Ah bon? Ah oui. J'aimais bien d'aller voir tourner les locomotives sur la plateforme qu'il y avait en bouffe. Ah oui. Ou qui a la crèche aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ce n'était pas les grosses locomotives. Hein. Comment? Non. Pas, non. Vous, vous n'avez jamais fait de commerce de volaille, hein, ni tout ça. Un peu, mais pas beaucoup. Non, c'est ça. Un peu. Alors, le fromage, ça, pour vous, c'était toute l'année, toute la saison. Ah ben tout le temps, oui. Tout le temps. Oui, tout oui, tout oui. Tout le temps. Oui. Faire les tournées de fromage. Vous n'avez jamais eu, vous, de chevaux ou des choses comme ça, toujours en voiture? Autrefois, du temps de mes parents aussi. Ah bon? Parce que vos parents faisaient déjà le commerce et ils étaient installés ici? Ah oui. Ah bon? Et vous avez les mêmes circuits de ramassage que vous faisiez après? Oui, ça se modifiait un peu d'année en année, bien sûr. Mais vous avez effectué les mêmes circuits et la même distribution aussi? À peu près. Et eux, alors, vous dites, avec les chevaux, ça devait être assez long. Du temps de mes parents, ça. Oui. 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 Oui, on a dû acheter la première voiture en 1933, vous voyez. Oui. Uniquement la voiture était destinée à votre commerce, quoi. C'est ça. Oui. Camionnette, quoi. C'est ça, la camionnette. Pas la verte, c'était une autre. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est ça. Oui. Ils ont durci, les chevaux. Oh ben, ils étaient attelés presque tous les jours. Oui. Si c'était pas à la ferme, c'était à autre chose. Alors... Ah oui. Oui. Elle aussi connaissait le parcours de la tournée? Bon, certainement. Oui, parce que c'est vraiment, quand même. Oui, parce qu'un cheval, c'est intelligent. Hein. Oui. Donc, là, le cadre que je vous ai ramené, vous avez bien prêté. On voit que c'est quand même une photo magnifique, parce que là, vous avez tous les fromages en passe d'être affinés, finalement. Ah oui, là, ils sont blancs. Et là, c'est quand vous venez de les réceptionner, en fait. Comment? Et quand vous venez de les réceptionner. Ah oui, ça, c'est des blancs. Ils sont blancs. Oui. Donc, vous aviez un rayon spécial pour les blancs et un autre rayon quelquefois pour les blancs? Oh ben non, ça se faisait automatiquement. Oui, oui. Est-ce que dans la masse, il y en avait qui passaient plus vite que d'autres? Non, c'est un peu pareil. C'est ça. Oui. Et ils avaient tous à peu près, parce qu'on voit que c'est de forme un peu... C'est des carrés. C'est des rivières un petit peu, donc oui, ce sont des carrés. Oui, oui. Et le poids variait ou c'était toujours à peu près tous le même poids? Ça pouvait varier quelques grammes. C'est ça, oui. Mais vous-même, vous ne vous êtes jamais lancé dans la fabrication de fromage? Ah non. Jamais essayé? Ah non. 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 Ça vous a jamais tenté? Ben, on mettait le lait. Ah, vous mettez le lait. Ah, on mettait le lait. Ah oui. Pourquoi le commerce a-t-il cessé dans le fromage de Rocroi? Petit à petit, vous avez eu moins de fournisseurs? Oh ben, jusqu'à temps que j'ai travaillé, moi j'en ai fait. Oui, c'est ça. Oui. Parce que le fait de mettre le lait au laitier, ça n'a pas été une raison quelquefois, donc les cultivateurs... Ah ben, il y en a toujours qui mettaient du lait. C'est ça. Il y avait ceux qui mettaient du lait, et des autres qui faisaient le beurre et le fromage. C'est vrai. Alors il peut y avoir l'odeur en plus. Ah ben oui, ça c'est sûr. Oui.
allait y retourner deux fois par semaine. Oui. Mm-hmm. En marchant le fromage de Sirocco, on le disait hier, il y avait aussi le Metz, pardon. Fernand Metz. Oui. Hein. Il stockait ses fromages dans la cave de la caserne, dans une cave. La caserne. Oui. Ah, oui. C'était juste en face chez nous. Oui. La caserne, c'était notre terrain de jeu. Ben oui. Ce sera pas dans le film. Oui. C'était notre terrain de jeu. Oui. Il nous arrivait, on descendait par les cordes, par les soupiraux, vous voyez. Alors bon. Dans la cave. Et une fois, on s'était trompé de cave, on est arrivé dans ces fromages de Rocroi. Qui est dedans, on prend du compte. Oui. C'est incroyable. Oui. Et les caves sont toutes la longueur de la caserne. Toutes la longueur. Oui. Elles sont toutes séparées, oui. Voûtées, oui. Toutes la longueur de la caserne. Mm-hmm. Vous voyez, on fait le tour de Rocroi. Oui.